Après avoir réalisé toutes les nucléaires sur les différents Call of Duty en 2020 et en 2021, il était obligé de faire une troisième édition. Bienvenue pour la troisième vidéo nucléaire sur tous les Call of Duty, en rajoutant Call of Duty Vanguard. Sauf que cette fois-ci, il y a un tout petit peu changement. Je vais vous montrer la meilleure vidéo nucléaire sur tous les Call of Duty, qui va mettre carrément toutes les vidéos des Américains à la poubelle. Double nucléaire, plus de 100 kills, nuke express en une minute. Bienvenue dans l'élite du tryhardisme. Évidemment, je vais rechercher que les bombes nucléaires et non les titres nucléaires. Donc Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Black Ops 4 et Modern Warfare Remaster ne feront pas partie de cette vidéo. Toutefois, suite à la dernière vidéo nucléaire sur tous les Call of Duty, si on atteint les plus de 2000 likes, je ferai une vidéo dans le mois prochain nucléaire sur tous les Call of Duty Black Ops. Et d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau à la chaîne. Beaucoup de personnes regardent cette chaîne YouTube mais ne s'abonnent pas, donc c'est plutôt assez important que tu t'abonnes et que tu actives la petite cloche de notification. D'ailleurs, les lives Twitch vont bientôt reprendre à partir de demain 17h, donc soyez présents parce qu'on va faire du très très lourd sur les différents Call of Duty et ça sera que du multiplayer. Bienvenue à l'ancienne. Vu que je vais orienter la chaîne dans un nouveau format de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires soit tu préfères Call of Duty Black Ops 4 ou Call of Duty Black Ops Cold War. C'est très important, donc n'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires, je compte sur vous. D'ailleurs, n'oublie pas de partager cette vidéo au maximum, que tu sois fan de Modern Warfare 2, de Modern Warfare 3 ou de Call of Duty Ghost, cela lui fera extrêmement plaisir d'avoir un petit côté nostalgique de Call of Duty comme on les aime. Et on n'oublie pas de dire quelque chose, God is life. Bon massacre à vous. Et bah c'est parti, let's go sur Modern Warfare 2 les amis. Alors, on est quand même sur une map mythique hein, les frérots, hein. On est quand même sur Afghan. On est sur Afghan quand même. Dommage qu'ils l'ont jamais remaster ça d'ailleurs. Enfin, sauf sur Infinite Warfare si je dis pas de conneries. Oula, monsieur, vous étiez en train de tenir une ligne là. Et en plus au sniper. Hein. J'ai oublié que sur Modern Warfare 2, quasiment tout le monde joue au sniper. Ok. Bon ça c'est un kill, c'est un free kill ça. Let's go. Ça va venir encore. Ok, encore deux kills. Et après c'est un cheat code. Vous connaissez, c'est le harrier. Non, 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 on se barre. Ça commence à devenir un poil trop de risqué là, cette histoire. On a eu chaud. On va voir maintenant si les arrières font du kill. On a juste besoin de faire un tout petit peu de kill. Et après, c'est fini. Mais il fait 0 kill, mon truc. Ah, voilà, c'est bon. Un kill. Allez, s'il te plaît. Vous avez dit, c'est un cheat code. C'est un cheat code, le truc. C'est un putain de cheat code. Allez. Allez, allez, allez. Qu'on vide le spawn. Vas-y, vas-y, vas-y. On est en train de les défoncer. Ah, le mitrailleur hélico, c'est n'importe quoi, vraiment. Bon, d'un côté, c'est un peu normal. Hein. Les strikes, à l'époque, ils étaient vachement puissants. Allez. Allez, 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 meurs. On a combien de kills de la nuque? Ah, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Gros, je suis en train de défoncer le spawn. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et on commence bien avec la première nucléaire sur Modern Warfare 2. On a rasé le lobby. Je l'ai rasé le lobby. Attends, attends, avant de lancer Modern Warfare 3. Obligé de jouer les armes les plus puissantes du jeu pour réaliser, sinon c'est impossible pour toi. Ça doit pas être très dur de faire des nukes en étant viseur fixe à chaque croisement et prendre des lignes. Ok mec, bouge pas. Ok, premier kill. What? Pourquoi j'ai pris des balles de l'autre côté? Ok. 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 On est à un kill. Oh mon dieu. Notre drone est activé. Bravo sécurisé. Je le vois pas. Ok, on va balancer le harrier. Pas moi, pas moi, pas moi, je t'en supplie, pas moi. Parfait. J'ai eu peur pendant quelques instants. J'ai eu très très peur.
Allez, c'est parti, mitrailleur hélico. Allez, c'est le moment. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai défoncé j'ai défoncé tout le spawn. Et let's go nucléaire. Putain, ça fait rapide, hein. Il n'y a personne d'autre ? Non. Et ben c'est parti, let's go Modern Warfare 3 les amis. Oh c'est horrible, il y a mon nez qui me chatouille là. Il y a un poil de nez qui est en train de me chatouiller, oh c'est horrible. Assassin. Et la voix off de MW3 c'est insane, hein. J'ai oublié la voix off. Ça t'es mort. Let's go. Petit double kill easy. Ok, 5. Ils vont prendre A. Bon, on a l'avantage normalement. Si on bloque le côté gauche, c'est easy. Ça t'es mort. Mais what? On va perdre B en plus. Il y en a un qui est là. Parfait. Ouh, des vestes balistiques. My man, my boy. Surveille juste l'endroit pour éviter que je meure. Vas-y. Parfait. Ouais, il s'agirait quand même de mourir, monsieur. Vas-y, vas-y. Spawn ici, spawn ici. Parfait. Petite moins 4, là. On va attendre. Vas-y, vas-y. Le problème, c'est que ça spawn aussi derrière. On va essayer de faire le back. Ah, monsieur, vous êtes vraiment sérieux comment vous jouez là? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Ok. Comment ça, on réussit à perdre C en fait? Ça, je comprends pas. Ok. Toi, t'es mort. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment tous au fond du spawn. Hein. Ils m'attendent. Et le problème, c'est que sur Interchange, les spawns sont un peu fixes côté de A. Toi, t'es mort. Ok. On a la ligne devant. Hein. Ok. Et let's go, mob! On l'a, la mob! Par hasard, on n'essayerait pas la double. Ça serait beau, quand même, de taper la double. Et si on tape la double, franchement, c'est magnifique. Ok, premier kill. Derrière toi, l'allié. Parfait. Ah, putain, je l'ai pas eu. Zut. Se cacher, vas-y, vas-y, viens. Tu veux pas venir? Oh oh, les problèmes. Ok, tireur d'élite. Toi, t'es mort. Ok, on a tous les atouts. Y'a moyen. Il faut juste qu'il prenne une position. Je sais pas pourquoi l'allié il force à vouloir prendre A. Ok. Let's go. Non. Oh, j'ai le démon, j'aurais pu taper la double. Bon, c'est pas grave. Allez, let's go, go balancer cette mob. Il y avait moyen, franchement, de taper la double. Mais rien que le bruit de la mob. Oh, le bruit. Oh, ce bruit. Il est exceptionnel ce bruit. Ça fait tellement plaisir. Surtout que c'est la troisième game sur Modern Warfare. Je tape la mob. Je suis grave content. Je suis grave heureux. Ok, c'est parti. Nous sommes donc sur Call of Duty Ghost, les amis. Ah, mon grand regret. Ah, mon grand regret. Parce qu'on est à l'heure actuelle, je pense, sur le Call of Duty le plus toxique que j'ai pu voir de ma vie. Ça commence. M27... M27, viseur thermique, silencieux, œil de lynx. Œil de lynx, lui il le met, mais il le met qu'à la fin, quoi. Genre, non, il le met au début. Le truc le plus inutile de tous les temps. Genre, ça sert à rien, il faut déjà réaliser 5 kills avant qu'il s'active, donc ça sert à rien de le mettre, en fait. Et en plus, tu campes. Ah. Je suis de la chatte. J'entends des bruits de pas. Ah, je crois qu'il va venir derrière, il va essayer de me flanquer. C'est ce qu'il a essayé de faire.
Let's go, troisième kill. Ah, on fait très attention. Hein. Parce que comme je vous ai dit, les mecs sur Ghost, ils adorent camper avec des M27, viseur thermique, silencieux, à attendre. Par contre, l'allié était pas très intelligent, il y a personne là-bas, pourquoi tu y vas? Ok, quatrième kill. Ok, cinquième. Non! Vous savez faire autre chose de votre vie que camper, attendre? Ah, c'est ça le problème de Ghost. Les mecs jouent sale. Premier kill. Regarde. Deuxième. Troisième. Je vous jure, les mecs ne savent faire que ça. Non, non, arrête avec tes fumilles. Quatrième. Cinquième. Sixième, mais on va très vite se barrer. Ouais, parce qu'il est encore au fond du spawn avec sa M27. Septième. Le huitième. Le problème, c'est que vu que j'ai amplification, je peux entendre les bruits de pas de mes adversaires. Mais le problème, c'est pas ça. Regarde, regarde. Regarde comment tu joues. Là, pour lui, c'est normal hein, comment il joue. Hein. Quand je vous dis que c'est des énormes fous furieux sur Ghost, c'était pas pour rien. Hein. Comment ça, t'es pas mort? Ok, série 14. Série 15. 8 kills. Ok, toi, t'es mort. Ok. Je suis focus, hein. Très focus. J'entends des bruits. Ok. L'allié, joue avec silence de mort, s'il te plaît. Ok, 21. Ok. Et let's go, frappe de KEM. Enfin! Enfin! Ah, c'est pas trop tôt! Let's go! Allez! Let's go! Nucléaire! Oh, let's go! Et c'est fini sur Call of Duty Ghost! Eh ben, c'est parti! Let's go sur Advanced Warfare! Et croyez-moi que je vais tout faire pour rentabiliser cet accueil! J'ai mis 35 minutes! 35 minutes, sans déconner, pour trouver un lobby. Ah, maintenant, ça suffit, hein. Même si c'est la nuque la plus dégueulasse de tous les temps, je m'en fous. 35 minutes à attendre. C'est même pas humain. Ah, par contre, ça bug encore, là. Aïe, 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 les serveurs de Advanced Warfare en PLS. Oula. Let's go. Série de 5. On commence bien. Premier kill. Oh non, ce vol, l'allié. Non, non, t'as pas le droit. Ok. On fait juste un peu attention parce qu'on a bientôt le drone, on a bientôt tout. Et ça serait dommage de mourir bêtement. Ok. On va recharger. On balance le drone. Pour être sûr. Alors, à moins qu'ils aient tous fantômes. Oh putain, ils ont tous fantômes quasiment. Pas bon signe ça. Ok, toi t'es mort. Ok, t'es mort. T'es mort, est-ce que tu l'as eu? Let's go! Ça va revenir derrière. IEM. L'ennemi a été touché par une IEM. Son équipement et ses bonus de série sont... Donc on enchaîne. Oui, non, arrête de... Oh, attends que je retrouve le mec qui s'occupe des serveurs sur Advanced Warfare, là. On va avoir une petite discussion, lui et moi. Ouais, non, mais t'es gentil, le jeu, s'il te plaît, arrête de bugger, là, genre 2 minutes. Genre vraiment 2 minutes, arrête de bugger. Ce serait cool. Oh, j'adore faire des dashs sur ce jeu. Ouh, attends, il y en a encore un.
Ok. 20 kills encore. 20 kills, qu'est-ce que je dis? Je suis à 20 kills. Encore 10 kills. Ok, 9 kills. 8 kills. J'ai bientôt la bombe UM d'ailleurs. Parfait. On l'a vu. Parfait, je crois qu'il me manque 4 kills. En fait, ça bug tellement que c'est juste... J'ai peur de prendre les gens en gunfight. J'ai peur, en fait, d'allumer quelqu'un qui mette son meilleur coup de snipe et que je regrette. Et que j'aurai que mes yeux pour pleurer. Tu vois, comme là. Ok. Et let's go! Let's go! J'avais un peu la pression. J'avais un peu la pression, mais... Oh, ça, c'est fait. Oh, c'est fini. Oh, ça aurait été une torture, cette game-là. Plus de 30 à 35 minutes d'attente dans le lobby pour essayer de trouver une game et une game qui bug. Ah, je suis débarrassé de ce jeu, ça fait du bien. Pourtant, j'aime bien y jouer, hein, W. Hein. Faut pas croire, hein. J'aime beaucoup jouer à W. Ah, W, j'allais dire W. Ah, W. Mais le truc, c'est que c'est full buggé, en fait. Donc c'est juste horrible. Tain, 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 tain. Ah, je suis content. Je suis content. La bombe nucléaire sur Advanced Warfare, c'est fait. Bah let's go, c'est parti. Let's go sur Infinite Warfare en 2022. Let's go, premier kill. Deuxième. Putain, mais ils sont... C'est quand même un peu vénère en face, là. Troisième. Il y en a un au fond du spawn, on l'a vu. Ok. Quatrième. On va essayer de faire le spawn, là. Il est assez meurtrier. Ok, cinquième. Pourquoi les spawns sont... Ah ouais, bon, après, j'essaye de coller par... J'essaye de coller par rapport à la... À la domination, et c'est vrai que la demi et la MME, les spawns, c'est pas exactement les mêmes. Ça ressemble, mais c'est pas du tout les mêmes. On va reculer. Vas-y, reviens. Tu veux pas revenir? Ouh, compliqué ce fight. Enfin, le problème avec la vie d'Infinite Warfare, c'est qu'elle est tellement basse qu'on a l'impression d'être... Qu'on t'a touché juste une fois, t'as deux doigts de la mort. Parce que, pas du tout. T'as encore une vie. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es mort. Vas-y. Toi, t'es mort. Allez, les alliés, si vous arrivez à enchaîner, ça serait cool. On balance le drone directement. On sait qu'il y en a un qui va venir sur la droite ou pas. Non. Parfait. On va peut-être un peu se barrer. On a le temps. On va contourner. On va flanquer à la V12, comme on dit. Ça, t'es mort. Il y en a un qui est là. Qu'est-ce que tu foutais ici, toi? Il y en a encore un. Ah, il n'y en avait pas qu'un, en fait. On va balancer le brouilleur. Ça veut pas mourir. Non, non. Ok, encore. Ok. Et let's go. Des Atomizer Strike, mon poteau, je l'ai. En plus, l'action était plutôt assez belle à la fin. Let's go.
Ah, je suis heureux là. Petite bombe nucléaire. En plus, ce bruit est exceptionnel. Le bruit de la bombe nuque est exceptionnel. Allez, rassemble ça. Et pourtant, c'est pas facile hein, sur IW. Hein. C'est compliqué de se réhabituer au jetpack. Franchement, c'est très compliqué. Surtout quand t'as l'habitude de jouer à Cold War ou à Vanguard. Et bien c'est parti. Nous voici donc sur Call of Duty World War 2, les amis. Le mec est sur la gauche, il réussit quand même à laisser passer un mec. Hein, c'est... Let's go. La moins 3. Moins 4. Tu vas me dire qu'il n'y a pas de munitions depuis tout à l'heure? Parfait. Moins 5. L'allié, à gauche. Oui, il est... regarde la mini-carte, l'allié. Oh, mais c'est un truc de fou! Ok. On a l'artillerie. Bon, par contre, on est en train de les enchaîner d'une force. Vas-y, viens. Viens. On va garder l'artillerie pour après. Genre, pour maintenant, quoi. On va éviter de se faire back bêtement. Ok, on a les paras. On balance. Ok. Batteuse? Putain, c'est la première fois que je vois cette batteuse. Je sais même pas à quoi m'attendre. C'est puissant, ce truc? Ah, je vous ai dit, on va pas bouger, on bouge pas beaucoup, hein, et je vous dis parce que le spawn est juste à côté. Primo, le spawn est à côté, et deuxième des choses, les gens adorent jouer avec le pompe. Donc dans le doute, on fait attention, l'allié, je sais pas qu'est-ce que tu fais, poche la gauche. On va attendre. Ok, toi t'es mort. Les alliés, pochez. Ok, drone. Il y en a encore un devant. Tue-le. Ah, l'allié, l'allié. L'allié l'a carrément laissé passer. Ok. Division d'artillerie, on balance direct. Ok, bombardement. Ok, on a quasiment tout. Ah vraiment, je ne bouge pas de la... Je ne bouge pas. Let's go, je crois qu'on a la fusée V2. Let's go! On a la fusée V2! Enfin! Se manger, après toutes les grenades. Oh sérieux. Oh, ça fait plaisir. Alors ouais, j'ai joué un peu sale, mais bon, t'es un peu obligé sur World War 2. Hein. Je vous le dis tout de suite, vous êtes clairement obligé. Ouais, en plus on a affronté quelques mètres prestige par-ci par-là, donc voilà quoi. Par contre, je suis un peu déçu. Je m'attendais que les parachutistes fassent plus de kills. Un poil déçu. Ah, moins 3 dès le début. J'aime ça. J'aime ça. Non. Ok. Ah, mais l'allié, il joue au bouclier. Ah, ceci explique cela, en fait. Ceci explique cela. Par contre, on va prendre ça. Et sa batteuse à l'autre, là, je dirais pas non de retomber un peu dessus, là. Ok. On a tout. On balance ça ici. Non, 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 les grenades. Et franchement, sa batteuse, j'y jouais avant, mais c'est ultra puissant hein, sa batteuse. Hein. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est ultra puissant. On a encore les paras. On est en train de défoncer le lobby. Ok. Ah, on a plus de mun. Je rigole si je tape la double médaille nuque. Ah, je crois que c'est une sorte de barre en fait. Mais c'est pas trop dégueu. Derrière. Ah, l'allié, l'allié. Ok, on a de nouveau un drone. Ok, t'es mort.
Vas-y, vas-y, sortez, sortez un peu là. On va balancer ça. On sait qu'ils sont au fond du spawn. Let's go. On a bientôt l'artillerie. On pourra bientôt les faire dégager un peu. Parfait, artillerie. On le balance au niveau du spawn. Comme ça, ça respawn un peu sur nous. Enfin, normalement. Si les mecs veulent sortir un peu. Faudra pas oublier de balancer la V2 quand même. Bon, tu sais quoi? Autant qu'on balance la V2 maintenant. On balance tout maintenant, que ça explose. Vas-y, fais un maximum de kills. On a le bombardement incendiaire en plus. Oh là 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 là. Bombardement incendiaire, une à la fois? Mais comment ça, il y a un autre bombardement incendiaire qui a été créé? Non mais j'y crois pas. Dites-vous que là, je viens de taper la double nucléaire. Oh! Double fusée V2? Double fusée V2? Dites-vous, attendez, ça fait 3 jours que j'essaye de taper une fusée V2. J'y arrive pas, je tape la double. Mais what the fuck? Let's go, premier kill. Le deuxième. J'ai cru qu'elle allait mettre le petit coup de crosse, ça. J'ai cru. Oh non, mais toi, qu'est-ce que tu rushes avec ton gros bazooka, là? Vas-y, avance. Non, il y a une clé morte. J'ai failli crever en voulant le sauver, hein, quand même. Hein. Toi, t'es mort. On fait quand même une petite escorte pour l'allié, là. On l'a protégé, on a fait tout ce qui était humainement possible. Ok. Drone am... Non, j'allais dire drone amélioré, mais non. Hop. Il essaie de se casser de l'autre côté. On s'en sort bien, là. On sait qu'il est là. Parfait. C'est quoi, dans le doute, je préfère balancer le drone amélioré quand même. On sait jamais. La petite double. Nain qui est quand même au fond du spawn, hein. Tu veux pas mourir, toi? Meurs un tout petit peu quand même, frérot. Ok, on sait qu'il y a un mec encore ici. Ah, ils veulent quand même ma peau, hein. Ah non, c'était l'allié qui fait du bruit. On va le laisser passer. Oh putain, alors lui j'ai aucune confiance, hein. Avec son giga bazooka dans les mains. Avec son gros bazooka entre les mains, je t'avoue que j'ai aucune confiance en tant qu'allié, en tant que protection, hein. Ok. Ah, on a déjà un implacable. On y est presque. Encore un effort. On s'en sort plus que bien, je trouve. On a 10 kills nuke du coup. Élimination confirmée. Ok. 22. Alors, si l'allié a pris ici. Ouais, il va falloir faire gaffe au spawn un peu ici. Allez, avance. Allez, avance. Ouais, parce qu'il me fait peur l'autre avec le flag à côté là. Mettez la main sur ce drapeau. On a perdu le drapeau ennemi. 24.
25. Ok, bon, on va assurer le coup. J'aimerais pas me faire buter par un campeur. Ok. Encore 4 kills, on l'a vu. Ok. On est à 2 kills. 1 kill. Et let's go nucléaire. Ah, je vous ai dit, hein, vraiment, sur les derniers kills à la fin, je voulais vraiment assurer le coup. Hein. Ils sont vraiment tous en train de camper, hein. Bon, on essaye de faire un maximum de kills. Bon, on essaye de faire une série sans crever. Lui, il est pas content. Hein. Non, mais monsieur, avec votre bazooka, lâchez-le, s'il vous plaît. Genre 2 minutes, lâchez-le. Non, mais regardez-moi ces types. Oh. Non, mais c'est très grave, là, monsieur. Non, 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 non. On va mettre les munitions à pouvoir d'arrêt. J'aimerais bien pouvoir continuer une petite série, là. D'ailleurs, je trouve ça dommage que les alliés ne sortent pas un drone. Je leur ai tout sorti. Moins 3. Ah, dommage, j'aurais voulu avoir la petite moins 4. Non, non. Alors, je sais pas, je suis en série de combien? En invincible? Tout ce que je sais, c'est que je suis en train de les enchaîner. Ok. Ah, en plus, on a plus beaucoup de munitions. Il reste une minute. Ok, munitions, un pouvoir d'arrêt. Ah, les enchaîner comme ça, c'est juste magique, hein. Ok, bon, il reste quelques secondes. On va balancer la bombe atomique. Je voulais juste m'assurer au moins que... Voilà, ils comprennent un peu qu'ils sont quand même pris la nuque. Non ? Let's go. Bon, on a fait une sacrée belle série. Je sais pas combien j'ai fait de kills avant de mourir. Sincèrement, on va aller regarder au niveau des stats. Mais si je suis à plus de 50, c'est-à-dire que je viens de battre mon nouveau record. Ah bah écoute, on va voir qu'est-ce que ça donne. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas joué à la Mac. Hein. Ouh mon dieu, comment ça bouge la Mac. Ah ouais, ça bouge beaucoup. Hein. Bon, par contre, ça tue assez vite, corps à corps. Il y a un middle. Il n'y en a pas qu'un middle. Ah. Bien vu, l'alien. Side set. Il y en a, il est en bas de chez toi. Le gigabit se la donne. Hein. Il se la donne. Hein. Attends. Laisse-moi me concentrer. J'ai la machine. Au niveau du bus. Visat. Alors, je suis super concentré là. Vraiment, hein. Touché. Ouais, te mets pas devant. Ouais. Oh.
27. 28. Vingt-neuf. Et 30. Je l'ai mise du premier coup. Je l'ai mise du premier coup, frérot. Il y a un mec, il est en série en face, hein. Il a dit, il va passer devant lui, donc... Attends, attends, mais d'où il est en série? Attends, attends. Désolé, hein, mais je lui pète sa série, hein. L'allié, l'a regardé me tuer. Faut que je lui pète sa série. C'était trop important là. Ouais mais bon... Je viens un moment mais bon. Je vais pas venir. Mais c'est moi qui meurs vraiment. Attends. Ok, machine de guerre. Si t'arrives à gérer une vissade pour après, moi je dirais pas non. J'ai fait par cœur, j'ai marqué tout le monde dans le garage. Allez. Je leur ai tapé la double. Tu y crois ça? Tu y crois ça? J'ai tapé la double nuque. Arrête. Arrête. Monsieur Face Rafale. Bah, allô. C'est bien, oui. Est-ce que je suis pas juste monstrueux? Ok, bah c'est parti. C'est compliqué de reprendre Vanguard, hein. C'est... Quand t'as plus du tout l'habitude... J'ai l'habitude de Black Ops Cold War. Un mort. Là, au-dessus de toi. Encore. Ouais, one shot. Est-ce que ce qui me joue, c'est comme sur Warzone? Non, c'est pas du tout comme sur Warzone. Pas du tout. Ça t'es mort? Il campe autant ce chien, j'ai plus de mal. Ok, double kill. Il est au top encore? Ouais. Elle est mort. Ils sont chez moi. Par contre, j'ai oublié le système de strike est tout pourri. Enfin, comment tu mets les strikes? Sous le pont, il y en a un. Enfin, ils sont pas. Il y en a un sous le pont. Ok, petite double. Ah, j'ai oublié que. Le top est ultra cheaté en fait, vraiment. En fait, tu veux des. Tu veux faire ce que tu veux sur Demian, ce que tu joues au top, hein.
Très clairement. Ok, j'ai les chiens. Et voilà, il joue pas, par 100% il joue pas. C'était chiant. Fais gaffe sur la droite, il y a les chiens. Hop là. Pistote ? Non, bientôt. Je l'ai. Il suffisait de demander. Ok. Tu l'as eu ? Bien vu. Ouh, attends. Ça commence à être chaud cette histoire là. Il y en a un sur le pont. Il y en a deux sur le pont. J'aurais pris des plaques. Ah ouais, j'y suis presque là. J'ai bientôt la nuque. Ok. Je suppose que ça a spawn back. Ouais, je vais laisser. Attends. Je suis un peu focus. Au top, je suppose. La vie, ça, attends. J'ai 3 kills. J'arrive bien. J'envoie un chien ou pas? Oui, on voit. Monsieur était en train de camper à son top là. Toi aussi, t'étais en train de camper à ton top. Et je suis mort à 1. Je suis mort à 1. Pourquoi il fait ce move? C'est une grande question. Pourquoi il va sur le pont? C'est une grande question. Il sait pas pourquoi, mais il y va. Son move n'a aucun sens. Genre, tu sais, c'est quand tu sais pas, t'hésites, et puis finalement, tu réussis quand même à faire un kill au bol. Voilà. En gros, c'est ça. Oula! T'as vu ce gros bug? Voilà, je mangeais une D5. J'ai mangé deux D5 d'affilée, j'étais en série. J'ai un giga bug. What the fuck? Bah, j'ai commencé à manger une D5. Ouais, je suis en train de les enchaîner là quand même. Hein. Ce qui me fume, c'est que ça fait genre. Ça fait genre un mois que j'ai pas retouché Avant-Garde et je suis en train de les éclater. C'est un truc de fou. Y'a presque plus de SBM. Mais gros, j'ai l'impression d'être dans un lobby RV, hein. Mais je suis devant quoi. Honnêtement, le lobby, ils sont pas exceptionnellement forts, hein. Oh my god. Je suis en train de les enchaîner, attention. Attention, c'est pas un chien. Informateur locaux. Tu l'as eu? Il y a un vu. Il montrait que son gros crâne là. Tu voyais son dégradé au rasoir là. Je suppose que ça va spawn ici. Oh les random, ils ont aucun cerveau de random. Mais gros, je suis en train de les défoncer, c'est tellement magique. J'ai oublié que la barre c'était magnifique, hein. Ouais, tu mets tes deux barres et c'est fini. Tu mets deux barres, oui, bien sûr, Philippe. Tu mets deux balles et c'est fini, hein. Enfant de juron, il s'appelle. C'est quoi juron? Ah, je comprenais aussi pourquoi je jouais non-stop à la barre, en fait. Y'a pas d'autres armes possibles à rivaliser, hein. Bon, la coupeur, en vrai, elle est pas mal. Ouais, mais c'est pas la barre, quoi. C'est vraiment pas la barre. Oh, nique ta mère, la vie. Tu peux plus la merde. Bon, on a des... Ils sont où, là? Non. Oh! Encore un, allez! Vite un mec! J'ai l'atomique! J'ai raté la double à un kill! Mais gros, c'est quoi les lobbies Vanguard? Mais gros, je suis un putain de monstre sur Vanguard en fait! Voilà. Du premier coup, première game, j'ai raté la double sur Vanguard. Ça fait un mois qu'il joue plus à Vanguard. Oh là là! Que c'est beau. C'est quoi un formateur locaux? C'est la 17.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les différents Call of Duty. C'est toujours un énorme plaisir de vous faire cette vidéo-là, autant au niveau du montage vidéo que dans la réalisation. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un gros hashtag Vanguard dans l'espace des commentaires, je compte sur vous. Comme ça, je pourrai voir tous les fidèles qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la chaîne va prendre une autre tournure avec Call of Duty, avec un format qui n'a jamais été vu, peu importe que ce soit niveau francophone ou anglophone. Donc vous aurez le choix du prochain défi sur le prochain Call of Duty, soit Call of Duty Black Ops 4, soit Call of Duty Black Ops Cold War. C'est à vous de me le dire dans l'espace des commentaires. Comme je vous l'ai dit également, je reprends les live Twitch à partir de 17h, ça sera tous les jours à partir de 17h, donc bien me follow parce que c'est là où tout se passe, les gros gameplays, les gros lives, etc. sur les différents Call of Duty multiplayer. Si ce n'est pas le cas également, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne YouTube et de me follow sur Twitter. C'est important, tout ce qui est notification de live YouTube et également des petites conneries que je dis de temps en temps, mais également des news sur les différents Call of Duty. Moi, je vous dis bye et à la prochaine. N'oubliez pas de me follow et on se retrouve très prochainement, autant que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. Ciao, ciao tout le monde. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos.